Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Trading Central. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au secteur industriel et plus particulièrement à Thales. D'un point de vue fondamental, le titre est soutenu à court terme par le contrat de 34 milliards d'euros remporté par DCNS en Australie. Le spécialiste de la construction navale, dont Thales contrôle 35% du capital, fournira 12 sous-marins à l'Australie. Par ailleurs, le groupe a publié pour son exercice 2015 un bénéfice net de 765 millions d'euros contre 714 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a dégagé une croissance organique de 4,5% après 3 années de stagnation. Il souhaite maintenir ce rythme de développement jusqu'en 2018 grâce au dynamisme retrouvé de son activité commerciale. Graphiquement, le titre s'est affranchi d'une figure de consolidation en triangle, laissant apparaître un nouveau potentiel de hausse. Il est soutenu par sa moyenne mobile à 50 séances, ascendante. De son côté, le RSI s'est retourné à la hausse au-dessus de sa ligne de signal. Ainsi, tant que les 74,6 euros ne sont pas enfoncés, une poursuite de la phase de progression est envisagée en direction de 83 et 88 euros. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le Turbo Infini Call W087B émis par BNP Paribas de Bayard désactivante à 60 euros. L'effet de levier sur ce produit est de 3,91. En résumé, nos objectifs sur Thales se situent à 83 et 88 euros. Seul l'enfoncement des 74,6 euros viendra valider ce scénario haussier. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain pour un nouvel avis d'expert. Thank you.